Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est trois dans la vidéo. Regardez, il y a un couple qui est interviewé, c'est un peu unique pour l'instant sur cette chaîne. J'ai très rarement interviewé des couples sur ma chaîne et ça peut être très intéressant parce qu'il y a énormément de gens qui partent en couple aussi en Océanie. Il n'y a pas que des gens seuls parce qu'il y a encore des gens en couple qui partent en voyage, ça existe encore. Donc voilà, bonjour à vous deux. Donc vous appelez comment? Alors moi je suis Léna et donc... Moi Aurélien. Aurélien, d'accord, très bien. Donc ce couple a voyagé en Océanie. Hein, Léna, c'est ça? C'est ça. Voilà, Léna et Aurélien ont voyagé en Océanie. Donc ils sont venus il n'y a pas très longtemps, juste avant pendant la canicule en France, donc en plein mois de juillet. Et donc ils en ont bien profité de leur aventure. Ils ont voulu prendre du recul dans leur vie, pendant leurs études. Alors déjà, pourquoi être parti au bout du monde? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors nous, ce qui nous a motivé, c'était surtout l'anglais parce qu'on est dans des études, on est dans les ressources humaines et donc on sait que l'anglais est obligatoire. Après, donc pourquoi l'Australie et la Nouvelle-Zélande? Donc ça a été surtout parce que on s'est dit lier l'utile à l'agréable. Donc voilà, on avait un peu le plaisir de la découverte, les paysages, tout ça. Toi, la Nouvelle-Zélande, ça a été par rapport au Seigneur des Anneaux. Voilà, et puis le choix de l'Australie, c'était peut-être un peu plus moi. On n'a pas fait le choix, on a pris les deux. D'accord, voilà. C'est ça, vous avez bien profité, etc. Alors, donc, vous avez pris donc, un billet, vous êtes parti en aller-retour en Océanie. Est-ce que vous avez déjà plus ou moins une date, une deadline, c'est ça? Vous êtes parti en aller-retour directement? Non du tout, en fait, c'était pas possible de prendre un aller-retour étant donné qu'on n'était pas dans le même pays. Donc on est parti de la France, on est arrivé en Australie et on a été en Nouvelle-Zélande puis retour. Donc en gros, on a pris un billet aller simple pour Perth et puis après. Voilà. C'est vrai que je conseille de partir sur un aller simple si vous êtes vraiment en mode ouvert, etc. Si vous avez un projet très carré, aller-retour, ça peut être un peu plus rassurant pour partir en Océanie. Mais dans le meilleur des mondes, je vous conseille de partir en aller simple. C'est beaucoup plus flexible dans votre voyage. Alors, vous êtes arrivé donc dans la ville de Perth. Vous avez commencé votre PVT Océanie dans la ville de Perth, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc, Perth, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, parce que moi-même, quand je suis arrivé en 2012, je n'étais pas au courant qu'il y avait une ville qui s'appelait Perth, forcément. Je n'étais pas forcément bien documenté, etc. Donc, la ville de Perth, elle est située donc, en bas à gauche, dans une magnifique région du Western Australia. C'est une ville qui est quand même peuplée. Elle est très belle. On peut voir les coquilles sur la Rottnest Island. Il y a la région qui est très jolie. Enfin, c'est très sympathique de commencer à Perth. Par contre, évitez entre juin, juillet, août, c'est plutôt l'hiver. Par rapport à là-bas, donc c'est pas forcément l'idéal. Vous êtes arrivé à quelle période à peu près à Perth? On est arrivé mi-septembre. Mi-septembre 2017, donc il devait faire bon, quoi. Ça devait être agréable. On a eu un sale temps. C'était pas prévu, normalement, en plus, on dit en moyenne, c'est combien de jours de pluie à Perth? Deux semaines, deux, trois semaines. Ouais, il y a vraiment de sale temps. Et là, on est tombé sur les deux semaines, on n'a vraiment pas eu de chance du tout. C'était vraiment un temps horrible, en fait. On a même, on s'est retrouvé avec énormément de pluie. On est resté deux semaines sur place. On a dû avoir deux jours de beau temps, je pense. D'accord. Après, c'est aussi le hasard. Hein. Oui, c'est un petit peu dans la chance. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à se dire « Attends, je vais en Australie, je vais avoir de la pluie en arrivant. » C'est sûr qu'on ne s'est pas forcément prévu au programme. Après, on l'oublie souvent, mais on peut skier en Australie. Hein. Il peut faire très froid, il peut faire très chaud. C'est vrai qu'on pense Australie, on pense plage, cocktail et les noix de coco, alors qu'au final, c'est pas ce qu'on nous a vendu avant de partir. Donc, c'est l'aventure. Alors, comment ça s'est présenté? Vous êtes arrivé à Perth, donc vous avez amorcé votre PVT Australie, donc les démarches classiques, banque, TFN, la ligne téléphonique, enfin, toutes les démarches, on ne va pas les répéter, elles sont déjà présentes sur YouTube une nombreuses fois. Donc, ça se fait en une demi-journée. Et après, comment vous avez fait? À la base, vous avez logé chez une famille en Airbnb? Alors, on a pris un Airbnb pour les deux premiers jours parce que moi, j'étais déjà partie aux États-Unis, donc je savais ce que c'était que le décalage horaire. Et donc, on a pris les deux premières nuits en Airbnb. On a tout de suite cherché une famille. Donc notre première famille, elle était sur Perth. Et donc, 48 heures après l'arrivée, même pas d'ailleurs. Un peu moins que ça. Deux nuits après, on s'est retrouvés dans notre première famille à Fremantle, donc qui est la banlieue un peu, chic, quoi, de Perth. Voilà, donc pour resituer le contexte, donc ils ont décidé d'arriver en Airbnb. Donc le Airbnb, je pense que vous connaissez tous, hein, vous payez logement, vous allez chez les locaux.
Ça, c'est pas mal, ça vous permet, surtout en couple, c'est un peu plus d'intimité que dans un backpack. Je le déconseille de commencer en backpack en couple. Et après, bon, bah, la solution LPX qui a été amorcée tout de suite. Alors, le LPX, c'est quoi? Donc, c'est un site internet. Donc, vous le voyez en vidéo, en direct. Donc, le site LPX, c'est un site où on crée un compte, un mot de passe, tout simplement un login. Vous payez 20€ pour 2 ans, à peu près. Et après, derrière, bon, bah, vous pouvez profiter de tous ces travaux de volontariat à travers l'Océanie, le monde. Et alors, et Aurélien, alors, c'est dur de s'inscrire sur LPX? Non, ça va, c'est très très simple. Ouais. Très 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 simple. C'est assez simple. Très rapide. D'accord. Non. Ouais, c'est juste les informations. On a juste à rentrer ces informations, donc à savoir nom, prénom, adresse, le pays dans lequel on réside, le pays qui nous intéresse. D'accord. Et ouais, après, bon, faut faire un texte un peu personnalisé histoire. Oui. Attention, quoi. Qu'on change voilà. À chaque fois tout le long du trajet. Voilà, donc pour se dire où on est, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on a comme compétences, est-ce qu'il y a des LPX. Alors le LPX, c'est un site où en fait voilà où on met en relation ceux qui proposent des missions et ceux qui recherchent une mission tout simplement. Donc ça peut être n'importe quoi dans la mécanique, dans l'informatique, dans les fermes, dans les villes, dans la restauration. Il y a des LPX très divers et variés. Et l'avantage, c'est qu'on a un pied à terre chez les locaux, donc en fait on va pouvoir parler anglais directement et surtout on va s'imprégner de la culture, faire des expériences atypiques. Et pour moi ça c'est une vraie valeur ajoutée, contrairement au boulot rémunéré où on ramasse des mandarines et des fruits, c'est bien, mais c'est pas une expérience oufissime, toi. Donc ça c'est vraiment bien le LPX par rapport à ça. Donc vous avez décidé dans votre expérience, elle est un peu atypique, d'avoir fait que du LPX en Australie pendant votre PVT. Et c'est assez unique en soi. Après ça peut très bien se faire. Faut juste bien gérer son planning, etc. Alors le LPX, c'est vrai que c'est une façon de vous gagnez pas d'argent, mais vous en dépensez pas. Donc la meilleure façon d'en gagner, c'est de pas en dépenser pour commencer, surtout quand on voyage, parce que le logement, la nourriture, etc. coûte très cher. Alors comment ça s'est passé? Donc vous avez fait un premier LPX à Fremantle dans la banlieue de Perth, et vous faisiez quoi dans cette première mission? C'est quoi la mission? Alors là, c'était du jardinage, mais surtout surtout du désherbage. Beaucoup de désherbage. Ouais, c'était du weeding. Il fallait enlever vraiment que des mauvaises herbes. Alors c'est combien d'heures par jour concrètement? Là, c'était 3 heures. C'était 3 heures celui-ci. Et nous, on essayait vraiment de prendre des familles qui demandaient 3-4 heures. Il y en a certains qui demandent plus. Après, nous, on négociait souvent pour avoir 3-4 heures si c'était tous les jours, ou alors du 5 heures, mais avec des day off. En fait. D'accord. Donc, en général, le LPX, hein, c'est 3-4 heures de travail le matin ou l'après-midi. Et le reste, on a du temps libre. Donc, on peut même faire un petit boulot à côté hein, si on veut, on souhaite rémunérer. J'ai trouvé récemment Clément sur YouTube qui faisait ça en Nouvelle-Zélande du Sud. Il avait son job dans son lodge et l'après-midi, il faisait du wifi. Enfin, bref, il ne payait pas de logement. Ça ne lui coûtait vraiment rien. Donc, c'est un système qui est vraiment très pratique. Et surtout au niveau de l'anglais, des échanges. Donc, le wooding. Alors, est-ce que c'était votre première expérience en LPX? Ça, c'était notre première expérience, ouais. En plus, on est tombé sur une famille. Bon, il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui sont très sympas. Le contrat, à la base, c'est voilà, 3-4 heures. Mais en fait, ils sont très arrangeants. On peut faire une journée complète et après, le lendemain, prendre son temps pour soi et puis aller en ville, visiter, etc. Voilà. D'accord. La question qu'on se pose, est-ce que vous avez acheté un véhicule en Australie? Oui, on a acheté une Ford Falcon. D'accord, alors, donc, vous êtes parti sur un format break du coup hein. Oui, c'est ça, on a pris un break tout simplement parce qu'on est parti avec nos économies comme on n'avait pas pour but de travailler. Donc voilà, c'était le véhicule, on va dire, le moins cher et le plus. On va dire, vis-à-vis du prix, c'était le plus fiable en rapport qualité-prix, quoi. Oui, voilà. Si vous n'avez pas un énorme budget, partir sur un break, ça peut être super sympa. Vous avez le lit à l'arrière, vous consommez pas trop d'essence. Souvent, c'est des véhicules qui demandent un peu moins d'entretien qu'un 4x4. Un 4x4, ça, dès qu'un 5 y a de l'entretien, la régo coûte plus cher. Enfin, c'est un peu plus contraignant, mais on est beaucoup plus libre, bien sûr, avec un 4x4 ou même un. Donc après, ça dépend de votre budget. Un break pour 3 500 $, vous avez un truc qui marche très bien. Donc, bien attention. J'insiste vraiment à acheter un break si c'est possible à des locaux et vous pouvez après le personnaliser à votre façon. Enfin, voilà, on a tendance à vouloir acheter un véhicule à un backpacker. Moi-même, je l'ai fait. Hein, c'était mon erreur pendant mes deux PVT en Australie. C'est d'acheter un véhicule à un local. Il sera toujours mieux entretenu que de backpacker en backpacker en backpacker. C'est des véhicules qui prennent cher et qui ne sont pas bien entretenus. En même temps, pourquoi vouloir entretenir un véhicule? Parce qu'au bout d'un an, de toute façon, on veut s'en séparer. Donc, il faut être réaliste par rapport à ça. Donc, vous avez acheté un véhicule Western Australia, du coup, à Perth.
C'est ça. D'accord. Donc le véhicule Western Australia, l'immatriculation Rego Western Australia. Je vous rappelle, chaque état a des règles spécifiques. Et la Western Australia, c'est l'état le plus simple, le moins cher, mais au détriment de la qualité, car en fait, il n'y a pas de contre-technique. Alors, je vous parle exigé. Donc, il est conseillé de faire un petit check-up avant d'acheter le véhicule. Vous allez à la poste, vous demandez les garages certifiés par le gouvernement et vous faites l'équivalent RWC pour vérifier tout l'état du véhicule. C'est un peu plus safe, on va dire. C'est un peu moins risqué de prendre la route directement et de se précipiter. Parce que quand on a une panne mécanique au milieu de nulle part, c'est pas comme en France. Il n'y a pas de réseau, souvent, il n'y a pas beaucoup de passages. C'est très, très calme. Du coup, il faut être vachement patient pour attendre un petit peu d'aide. Enfin, voilà. C'est le petit conseil, on va dire, en parallèle. Donc, une fois que vous avez fait votre première expérience, on va dire, en wooding, donc enlever des herbes et des herbes, des kilos d'herbes, des centaines d'herbes, comment ça s'est présenté? Après, vous avez recherché une autre famille? Non, alors on a eu de la chance, on n'a même pas eu à chercher, on avait déjà parlé, on avait bien sympathisé avec la famille où on était, donc c'était juste un couple et donc ils étaient très bien entourés avec des connaissances un peu partout en Australie. Et donc, en fait, ils nous ont demandé, on n'a même pas eu à chercher, qu'ils nous ont demandé, ça devait faire une semaine, si ça nous intéressait d'aller dans la ferme d'une de leurs amies, qui était une ferme de loisirs, en fait. Donc, c'était même pas, c'était une ferme pour enfants, donc avec des animaux, avec un verger, etc. Et donc, ils font venir des gens, pour donner à manger aux animaux. C'est ludique, c'est pour les enfants, récolter les citrons, etc. Et donc, on a trouvé ça directement sans chercher, parce que je pense qu'ils avaient confiance. Donc. Oui, en fait, c'est vrai qu'en Australie, l'avantage, c'est qu'on vous fait confiance très rapidement. Si vous faites vos preuves, je pense à Tony Poulin, que j'ai interviewé récemment sur YouTube, qui va être diffusé bientôt en tant que conducteur de road train. Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est que la vidéo est déjà en ligne. Et il est parti de rien, il s'est retrouvé avec un camion de 56 mètres de long. Enfin, tout simplement pour vous dire qu'en fait, en Australie, tout est possible, même en LPX. Alors, oui, ça reste du LPX, oui, c'est pas payé. Mais en même temps, vous avez quand même des responsabilités, parce qu'on va vous confier peut-être des animaux, peut-être des objets qui coûtent des millions d'euros. Donc, forcément, voilà, c'est la confiance australienne, et ça qui est génial. Donc, c'était où ce plan de ferme, enfin, cette petite ferme familiale? Il y avait Margaret River, donc juste dans le sud, en fait, de Perth. Voilà. D'accord, donc Margaret River, vous voyez juste ici dans la vidéo, Margaret River qui est au sud de Perth. Hein. Margaret River, c'est connu pour son surf et surtout pour la région viticole, hein, pour le vin. Hein. Il faut savoir qu'en Australie, c'est un très grand producteur de vin de qualité, parce que le climat, c'est peut-être comme à Bordeaux, alors je vous parle, on a des étés souvent très chauds et on a aussi un peu d'humidité. Enfin voilà, donc c'est le climat idéal pour le vin. Donc si vous cherchez aussi du travail dans les vendanges, sachez que c'est aussi le bon endroit pour travailler dans les vendanges, toute la région de Margaret River, d'ailleurs, qui est fabuleuse au passage. Donc, Margaret River, au sud de Perth, et après, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes resté quelques semaines? Une semaine. On est resté une semaine à Margaret River, ouais. Puis après, on est parti pour l'aventure. Une première aventure. Donc, vous êtes parti vers où? Par le nord, par le sud? Non, on est parti par la côte sud. En fait, l'objectif, c'est qu'on est fan de moto. Et donc, on avait à ce moment-là l'objectif d'arriver à Melbourne pour fin octobre, donc dans le but de faire le Grand Prix Moto d'Australie. Donc, sur l'île de Phillip Island, si je dis pas de bêtises, non? C'est ça. Je suis très fort. non, je rigole. Donc, en fait, donc vous avez traversé donc toute la partie Australie du Sud en voiture. Donc, vous avez traversé la fameuse plaine Nullarbor, où là, il faut être prêt mentalement, car il y a la plus grande ligne droite d'Australie, donc c'est un peu contraignant. Mais voilà, c'est très joli, surtout le sud-ouest, Espérance, après Augusta, Denmark, Albany, Espérance, Cap Le Grand, Cap Arid. Ça, c'est des magnifiques parcs. Si vous aimez les plages paradisiaques, c'est fabuleux. Après, la plaine Nullarbor, qui est un petit peu plus contraignante, on va dire, c'est très, très long. C'est très, très long. Et après, vous allez arriver à Adelaide, où l'Australie du Sud, c'est vraiment un petit paradis sur Terre. On en parle très, très rarement sur le réseau. Enfin, bon, il n'y a pas trop d'articles à ce sujet. Je vous conseille vraiment l'Australie du Sud. Si vous avez fait l'Australie du Sud, je suppose. Hein. Oui, on a fait l'Australie du Sud. Après. Ouais, on l'a fait après, parce qu'on était pris par le temps. Donc, on a fait notre trip jusqu'à Adelaide, en fait, où vraiment on a vu tout ce qu'on voulait voir. Wave Rock, Calgary. On est remonté un petit peu. Et après, on s'est posé à Melbourne. Et une fois qu'on a fait Melbourne, on est revenu jusqu'à Adelaide en faisant tous les points de Melbourne à Adelaide par la Great Ocean Road. D'accord, excellent. Donc, d'accord, très bien. Donc, l'Australie du Sud, la Great Ocean Road, c'est très bien. Et donc, après, là, vous avez recherché un troisième LPX. Le troisième LPX, on l'a fait à Melbourne. Voilà. Donc là, vous êtes en train de dire dans la vidéo que vous avez trouvé un LPX en plein cœur de la ville, c'est ça?
On l'a Ouais. pris Pas loin. en banlieue, en sorte de banlieue, parce que c'est plus tranquille. Et puis en plus, le souci qu'il peut y avoir, en fait, c'est que en couple, c'est plus facile, on va dire, de trouver du Helpex n'importe où, en fait, en Australie, parce qu'on a une voiture souvent à deux. Toujours Mais par en contre, ville. dès qu'on Ouais. se retrouve vraiment dans un centre-ville, Je suis d'accord. compliqué à deux parce que ils ont pas assez, ils ont pas les moyens d'avoir deux personnes, ils ont souvent pas la charge de travail. Donc c'est soit on se retrouve à deux et on est seulement logé sans être nourri, soit on et en plus quand on a une voiture faut aussi y penser, c'est quand même compliqué parce que faut Stationné. stationner. Il n'y a pas forcément faut y penser parce qu'en plus surtout avec un break comme le nôtre c'est vraiment pas facile à garer. Ouais, Donc dans les banlieues, ouais. on a toujours préféré se mettre en fait dans des banlieues, être un peu plus excentré, À et côté d'une station. après on laissait la voiture et on prenait le Le train. train. Oui, c'est vrai que globalement, ce que dit Léna, sur les villes, c'est toujours un peu chaud de se garer, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de passage pour, enfin, de place pour mettre sa voiture. Plutôt mettre sa voiture en banlieue et profiter des transports qui sont vraiment bien pratiques, soit Melbourne, Perth, tout ça, il y a des transports. Préconiser bien sûr des Helpix en banlieue, ça peut être aussi très intéressant pour garer sa voiture facilement. Et surtout, bah, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais commençons à Helpix dès le départ en pleine ville, ça peut, c'est chose possible, ça vous évite de payer un logement. Les logements sont chers quand même dans les grandes villes, donc ça peut être aussi une solution très intéressante. Donc, travaillant en Helpix en ville, comment ça se présente alors? Vous avez fait quoi? Cette femme-là, donc elle avait donc sa mère qui tenait une ferme de lavande, donc dans le Victoria. Et D'accord. en fait, elle avait son entreprise, donc elle avait à côté, c'était dans son garage en fait. Oui, c'est ça. Elle avait son business de produits à base de lavande, et donc là, on était dans la Fabrication. conception et la fabrication des produits à base de lavande. D'accord, ok. Donc c'était quand même plus dans l'arrière-pays de Melbourne, enfin plus enfin, dans banlieue. C'était comment le nom Je me souviens plus de que je la retrouve banlieue. le nom, il n'y a C'était pas un nom. à 10 minutes, Si 15 je minutes du retrouve. centre-ville, Si je en retrouve. voiture. D'accord. Ouais. Donc votre plan Helpix, c'était un petit peu excentré, donc après à 15 minutes, mais c'est vrai que c'est pratique, hein. Il y a les trains et tout, les trams, c'est très intéressant. Puis c'était vis-à-vis, j'avais trouvé ça, c'était pour avoir un entre-deux, parce que comme on était pour Phillip Island à la base, c'était entre Phillip Island et Melbourne. Donc Alors. ce qui nous permettait d'être vraiment bien situé pour aller sur l'île de Phillip Island et à la fois aller en ville. On avait juste à prendre le train et en plus, je pense que la ville de Melbourne, c'est la mieux desservie en termes de transport en commun. Donc faut savoir qu'au centre-ville de Melbourne, les transports sont gratuits. Et après, bon bah si vous voulez profiter de Phillip Island, donc c'est une sorte de presqu'île hein, qui est rattachée. Enfin, il y a un espèce de pont. Enfin, j'y suis allé une fois. Il y avait un pont là, on arrive sur l'île. Et donc c'est, ouais, on peut dire que c'est une île en fait. Et donc là-dessus, on peut voir sur cette île, on peut voir notamment les pingouins et le fameux Grand Prix de Formule 1 de moto qui a lieu donc chaque année en Australie, donc sur l'île de Phillip Island, qui est très jolie, qui n'est pas exceptionnelle comme île, mais qui est très sympathique pour passer le temps d'un week-end. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est, vous avez réussi à faire pas mal de Helpix pendant votre expérience, à vivre, enfin donc à économiser de l'argent, mais il y a forcément l'argent qu'on doit dépenser, vous avez réussi quand même à quasiment pas dépenser, ou il y a forcément des dépenses qui partent un petit peu? Je te laisse répondre, L'essence, hein. En avant tout, on a fait 40 000 km. 40 000, vas-y. 40 000 bornes, donc oui, ça c'est beaucoup pour 7 mois, c'est énorme. Un bon budget, oui. Oui, Et un puis bon budget. après, tout ce qui est activité, des sanctuaires ou Oui. les incontournables. Les Tout ce qu'on incontournables. visite, même on n'a pas beaucoup payé non pour les musées, on ne s'est pas retrouvé à payer, mais bon, il y a forcément des activités à côté quand on reste en tant que backpackers, on reste quand même un minimum touriste aussi. Donc quand on veut voir, il y a certaines choses aussi, même tout ce qui est parcs nationaux, on doit payer. Donc normalement, si on est Ouais. honnête. En fait, pour les parcs nationaux, juste pour rebondir, je me souviens par exemple de la Tasmanie il y a un an et demi. En fait, il y a des passes qui existent pour chaque état. Et si vous débrouillez bien, par exemple pour la Tasmanie, j'avais payé de l'ordre de $50 pour le véhicule, je sais plus, un truc comme ça. Mais au moins, ça comprend tous les parcs de la Tasmanie. Vous êtes en règle, donc il n'y a pas toujours cette petite boule au ventre. Et derrière, bon bah voilà, vous contribuez aussi à la protection du parc. C'est après voilà, il y a des passes qui existent. C'est sûr que quand on paye parc par parc, à la fin, ça va facturer très cher. Mais si vous prenez le multipass pendant chaque état, faut savoir par exemple que dans l'état du Queensland, si je dis pas de bêtises, les parcs sont gratuits. Donc ça dépend vraiment de chaque. Ah,
La plupart des parcs que j'ai fait, en tout cas, étaient gratuits. Donc, ça dépend des états. Dans l'état du Western Australia, je sais que tout est payant. Donc, voilà, c'est 15 $. Donc, prenez un multipass. Ça revient moins cher. Et voilà, vous contribuez au système. Et c'est, pour moi, c'est pas l'argent qui part à la poubelle. Donc, voilà, il faut compter 45-50 $ par, selon la période. Donc, voilà. Donc, les parcs nationaux, donc forcément, bah oui. Donc, Alpic, c'est bien, mais quand même, il y a des dépenses. Si vous voulez faire un saut en parachute, si vous voulez nager avec les crocodiles ou les requins, forcément, ça va coûter cher. Hein. Forcément, surtout que 40 000 km en 7 mois, c'est quand même beaucoup de kilomètres. Donc, c'est de l'argent, même si l'essence est beaucoup moins chère qu'en France. Forcément, quand on met un plein, bah, on a beau avoir un break, ça consomme quand même un petit peu. Donc, forcément. Donc, vous avez fait tout le tour d'Australie, du coup, vous avez fait une belle boucle. Non, alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on après, quand on est revenu vers Adélaïde, on a eu un autre Alpex à Adélaïde. Ensuite, on est remonté, on a fait tout le centre de l'Australie. On a bifurqué Tennant Creek. À Tennant Creek. D'accord, donc, ouais. Donc là, vous le voyez sur la carte. Donc, ils ont remonté sur la partie Red Center et Tennant Creek, là où il y a juste avant les Treaty Ways. Et après, vous avez rebasculé direction... Townsville ou Cairns pour reprendre la côte Est. C'est ça. Et ensuite, on a redescendu toute la côte Est jusqu'à Bundaberg. Ouais, jusqu'à Bundaberg. On a eu un Alpex pendant un mois. Je pense qu'on avait besoin d'une pause. On avait fait beaucoup de kilomètres. Donc, on est resté pendant un mois. On s'est très bien entendu. C'était quelqu'un de jeune. Il avait seulement 35 ans. Il était seul. Donc, on s'est vraiment très bien entendu avec lui. Et il avait des chevaux en plus parce que voilà, donc je monte à cheval. Donc, ça a été. C'est une bonne astuce aussi pour tous ceux qui sont cavaliers, cavalières. Ouais. C'est très facile de trouver. Voilà, en plus, bon, ça permet de renouer un peu le contact quand on est voilà quand on est passionné. Ouais. Et puis après on est redescendu à Brisbane, on a eu une famille à Brisbane, on est resté une semaine et demie. Ensuite on est encore descendu jusqu'à Sydney, on a eu un Alpex pendant deux semaines. Et ensuite on est encore redescendu, on est reparti jusqu'à Melbourne par la côte. On a fait Kosciuszko National Park au passage. Et pour arriver à... Revenir à Melbourne. Pour revenir à Melbourne. Et là, à Melbourne, on a fait deux familles. On est revenu dans notre première qu'on avait faite dans la lavande. Et donc, elle ne pouvait pas nous avoir... elle n'avait plus de travail à une période. Donc, on a rebasculé sur une autre famille avant de prendre l'avion. D'accord. Alors, la question qu'on pourrait se poser, vu que vous avez été vraiment centralisé sur du Alpex, est-ce qu'il faut s'y prendre longuement à l'avance pour trouver un plan Alpex, surtout en couple, ou c'est vraiment en mode freestyle 24 heures avant? On va pas dire 24 heures avant parce que ouais, c'est quand même compliqué, surtout dans les grosses villes. On va dire que c'est facile à partir du moment où on choisit d'être à l'extérieur. Par exemple, quand on a fait Bundaberg, c'est lui qui nous a contactés. Ouais, ce que je vais conseiller surtout, c'est vraiment, il y a un endroit en fait sur Alpex, sur notre profil, qu'on peut mettre à jour régulièrement. Donc c'est ça, on a eu un peu de mal à se l'approprier et à se rendre compte de comment ça fonctionnait. Et en fait, il faut vraiment aller le rafraîchir. Au moins tous les jours, si ce n'est matin et soir, voilà, pour dire on est à tel endroit actuellement, on va faire ça et on souhaite arriver à tel endroit, on cherche un Alpex à tel endroit pour telle période. Ouais, et donc c'est à partir de là qu'on a des gens qui nous contactent parce que sinon en fait c'est toujours des recherches de notre part. Faut surtout aussi cibler, je pense, des gens qui ont rafraîchi leur profil très peu de temps avant. Parce que je trouve que c'est une perte de temps de contacter des gens qui n'ont pas mis leur profil à jour depuis un mois. C'est pas très ciblé. C'est-à-dire que il y a un outil sur Alpix, en effet, où on peut voir les profils qui sont très actifs. C'est bien de contacter des super Alpix, mais si c'est des plans Alpix qui ne sont plus du tout actifs, et souvent dans les annonces, et ça, il faut vraiment bien le comprendre, c'est que sur les annonces, c'est souvent mis en avant. Nous recherchons un couple pour mi-septembre, donc c'est concret. Il y a vraiment des fois des annonces, vraiment, c'est, faut le voir un peu comme une annonce d'emploi. C'est peut-être à payer, c'est sûr, mais il y a des annonces qui sont pas toujours très claires, mais une annonce qui est marquée la durée, le timing, enfin tout est bien décrit, et souvent ça correspond. C'est toute une sorte de synchronisation. C'est pas non plus que il y a des familles qui sont prises, quoi, c'est ça. Donc c'est l'offre et la demande. Hein. Et un truc très important aussi à savoir qu'on avait appris mais qu'on peut pas savoir quand on est côté helper et non pas host, c'est qu'en fait les hosts ont accès au nombre de messages que l'on envoie et au nombre de caractères.
Donc, c'est très important à savoir parce que au début, on voulait un peu gagner du temps et faire une sorte de texte, un peu comme un texte automatique où on changeait le nom de la personne et on changeait un petit peu, enfin, juste quelques mots. Ça, c'est bon, ça. C'est bon à savoir. Et le souci, c'est qu'on s'est retrouvés avec des gens qui nous envoyaient un message en disant « Mais vous envoyez 10 messages dans la ville. » On voit très bien que c'est exactement le même message. Ça donne pas envie à la famille. C'était pas forcément, en plus, qu'on n'avait pas envie de personnaliser, on lisait vraiment en fait chaque annonce. Oui, c'est juste que oui, je comprends. Mais voilà, c'était une histoire de gagner du temps et en fait certaines familles le comprennent pas forcément. Donc c'est important à savoir, c'est important de pas envoyer, de cibler aussi ceux qu'on préfère et éventuellement après d'envoyer quelques jours après si on voit qu'il y a pas de réponse ou que les familles sont pas ok. Mais éviter de, hormis si on est vraiment très en retard, de bombarder 20 personnes au niveau des mails et peut-être éventuellement privilégier par SMS le contact ou par téléphone pour éviter de que les autres puissent retracer en fait tous les messages qu'on peut envoyer. Ouais, je pense que Léna, ce que tu dis, c'est totalement vrai. Je me suis rendu compte pendant mon année en 2016 où je m'étais inscrit justement quand j'étais en Thaïlande avant d'arriver en PVT Australie. Bah, je voulais faire du LPX et c'est vrai que déjà, comme une annonce, comme chaque annonce, il y a des gens qui demandent des compétences précises. Par exemple, nous recherchons un couple, une personne manuelle, une personne qui sait faire ça, qui sait faire ci. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien d'envoyer à gogo, sachant que vous n'avez pas les compétences. Donc déjà, cibler le... sur LPX, il y a genre 8-10 caractéristiques. Donc, vous le verrez dans la vidéo. Alors, je vous parle, il y a plusieurs caractéristiques. Donc, ça peut être que de l'hébergement, ça peut être de l'housekeeping, ça peut être un boulot manuel qui demande, j'en sais rien, élégueur paysagiste. Donc, on attend comme un résultat. C'est peut-être pas un travail rémunéré, mais on attend de votre part un résultat. C'est-à-dire, si vous marquez que vous êtes expert en montage vidéo, on attend de vous une belle vidéo, pas uniquement un truc, regardez, je sais faire une vidéo avec mon iPhone. Donc, on attend quand même un résultat. Et en plus, il y a un petit danger, c'est que si ça se passe mal, les hébergeurs peuvent vous noter tout simplement. Donc, vous allez noter votre hébergeur, mais vous allez être aussi noté de votre côté. Et ça, c'est important parce que bon, si vous n'êtes pas noté, vous risquez d'être plombé par la suite et ça peut vous coûter cher pour retrouver notre famille. Enfin, voilà, c'est un peu contraignant. Donc, essayez de viser vraiment ce que vous voulez. Il y avait tellement d'annonces sur Internet en Australie, vraiment sur le LPX, c'est très riche. Je parle de l'académie parce que j'ai voulu tester en Calédonie, il n'y avait que 2 ou 3 annonces. C'est la réalité. En Australie, il y a des milliers d'annonces dans tous les boulots, que ce soit l'informatique, paysagiste, les fermes. Enfin, moi, j'ai fait du housekeeping chez une famille à Montbarqueur, à Adelaide. J'en ai fait un peu dans les villas. Enfin, il y a tellement de possibilités. Donc, ciblez. Vaut mieux envoyer 2 messages par jour, mais très ciblés. C'est comme une annonce d'emploi qui envoie 50 messages qui ne sont pas du tout ciblés et qui n'aboutiront à rien, sachant qu'en plus, si les profils, des fois, ne sont pas actifs. Donc, c'est de la perte de temps. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Donc, en plus, la fonctionnalité qui permet de savoir combien de messages a été envoyé, ça, c'est une information en or. Alors, merci en tout cas pour vos conseils sur ces petites astuces, à savoir sur le LPX. Donc, utilisez bien les moteurs de recherche par un mot-clé. Par exemple, si vous voulez absolument travailler dans une ferme, par exemple, de casuari, un truc très, très spécifique, ben, vous tapez casuar, le mot-clé casuar, et on va vous envoyer vers une annonce qui parle de casuar. Si vous cherchez un LPX en tant que plombier, vous tapez plombier en anglais. Ça, je vous laisse le chercher. Hein. Je ne sais pas comment on dit en anglais. Et en fait, vous tapez le mot-clé plombier. Voilà. Plombier, donc tout simplement. Donc ça, c'est très simple d'utilisation, que ce soit en Australie ou Nouvelle-Zélande, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité qui est relativement puissante. Donc, et surtout, j'ai envie de rajouter un truc. Quand j'ai voulu travailler en ferme, enfin travailler dans une housekeeper en Australie donc il y a à peu près 2 ans, donc c'était plutôt en novembre 2016, j'ai été très déçu d'une famille qui était très bien notée sur Internet. On est arrivé donc en couple justement dans cette famille. Et on a été très déçus de cette famille. Enfin, on était vraiment les larbins de la famille. Pourtant, quand tu voyais les commentaires, c'était tout beau, tout rose. On arrivait, c'était vraiment c'était un petit peu trop abusé par rapport au travail. Ça faisait un peu vraiment boniche, quoi. Donc, méfiez-vous des avis. Des fois, on a l'impression qu'il y a plein d'avis, etc. Ouais. Alors, par exemple, moi, j'ai pas mis de mauvais avis parce que on peut pas. Voilà, je voulais pas forcément casser cette famille parce que ça s'est bien passé. Il y avait un bon fond. Mais c'était vraiment surabusé. Donc, faites attention surtout aux commentaires. Alors, globalement, c'est important de s'y fier, mais ce n'est pas non plus totalement représentatif, je trouve, de la réalité. J'ai été un peu déçu par rapport à ça. Donc, globalement, essayez quand même de faire attention aux avis. Sans avis, c'est un peu dangereux de prendre des annonces, mais bon, il faut bien commencer. Il y a une part de poker. Enfin, c'est très important globalement. Donc, globalement, vous avez fait du LPX. Et après, ça s'est terminé comment, votre expérience en Australie ?
Alors, vous avez continué Là, on est parti après en Nouvelle-Zélande pour 3 mois. 3 mois et demi à peu près. Ouais. D'accord. Donc, votre break, vous l'avez revendu dans quelle ville? On l'a revendu à Melbourne. D'accord. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, l'énorme avantage du Western Australia, du WA, c'est que le véhicule peut être revendu de n'importe où. Et si vous le vendez à Melbourne, le vendeur, l'acheteur va devoir envoyer des documents administratifs auprès de la préfecture du WA. Donc là, il y a plusieurs formulaires, on ne va pas vous expliquer comment ça marche. Il faut envoyer plusieurs formulaires et après, le véhicule est à votre nom, vous payez 80$ à peu près. Et donc après, votre véhicule, voilà, donc c'est très simple. Donc l'avantage, c'est que le véhicule est parti assez rapidement. On a eu un peu de difficulté pour le vendre parce qu'on s'est retrouvé sur une période où il y avait un peu des trous en termes de backpackers, je pense, enfin, ceux qui recherchaient des voitures parce qu'on arrivait à la période hivernale. Donc il y avait beaucoup plus de gens à soit rentrer, soit se poser pour travailler. C'est vrai. Et donc, une fois, une voiture en ville, c'est pas bien pratique, surtout quand on travaille, on prend les transports. C'était à quel moment de la saison, du coup, la revente On s'est retrouvé avril. Ouais, avril. Alors, je vous confirme, en avril 2016, il faut savoir que j'ai acheté mon van et j'ai galéré pour trouver un véhicule. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs, mais il y avait aussi très peu d'offres. Donc, on va dire que un bon timing pour revendre un véhicule, ça part comme un petit pain, c'est l'été. Moi, j'ai vendu mon van en janvier 2017, je dirais plutôt très facilement. Alors, en baissant un petit peu son prix à un moment donné, mais ça repart comme un petit pain. Si vous êtes en plein hiver, surtout dans le sud, vous allez galérer. Donc, très important, c'est où vous allez le vendre et surtout la saison. C'est l'offre et la demande. Donc, si vous vendez un van à Queenstown en plein mois de juillet, qui a envie de vivre en van à Queenstown en plein mois de juillet? C'est ça la question qu'il faut se poser. Toi. Si tu vends un van en plein mois de janvier à Adelaide, il partira comme un petit pain. Donc, c'est l'offre et la demande. Enfin, voilà, faites bien attention par rapport à ça. Donc, vous êtes parti en Nouvelle-Zélande, donc fin du visa Australie. Vous êtes arrivé en Nouvelle-Zélande, du coup, avec un PVT, uniquement pour 3 mois, parce que c'était la durée. Donc, vous avez préféré prendre un programme visa vacances-travail. Je vous rappelle, normalement, dans les règles de l'art, il faut avoir un visa travail pour pouvoir faire du LPX. Je suppose que vous le savez. Mais voilà, c'est les règles. Après, voilà, vous pouvez prendre le risque, mais globalement, normalement, il faut avoir un visa travail. Donc, c'est mieux de partir en PVT. Donc, vous êtes arrivé dans laquelle ville, du coup, en Nouvelle-Zélande? On arrive à Christchurch. Donc, Christchurch. Donc, peut-être qu'il y en a qui viennent de découvrir la chaîne YouTube. Christchurch, on se dit, mais c'est quoi ce truc? Alors, c'est une ville. Ça existe. C'est dans le sud. Notamment, cette ville est connue malheureusement pour ses tremblements de terre à plusieurs reprises. Et donc là, c'est en train de se reconstruire. Enfin, bref, c'est très bien pour cette ville. Donc, c'est dans la Nouvelle-Zélande du Sud. C'est une ville au bord de la mer qui est plutôt très sympa. Et donc, vous êtes arrivé à Christchurch et vous avez racheté un véhicule du coup? Oui, on a acheté une Honda Odyssey. D'accord. Donc, c'est quel type de véhicule? Je suis pas du tout... C'est un break aussi, mais break, on va dire esthétiquement, ça, c'est pas du tout. C'est beaucoup plus comme ce qu'on aurait un monospace ou un espace en France. D'accord. Et bien, justement, j'allais rebondir là-dessus. En fait, il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, et je m'en suis rendu compte quand j'y suis retourné en 2007, 4 ans après ma venue, c'est qu'il y a vu que ça marche de plus en plus le PVT de Nouvelle-Zélande. En fait, il y a une pénurie de vannes. Et en fait, il y a beaucoup de familiales qui sont transformées en vannes. Et donc, il y a beaucoup ce format classique de familial, des voitures d'espace, un peu les voitures familiales comme on a en France, sont une sorte de van. Alors, c'est pas vraiment des vannes, mais c'est plus des voitures familiales. Donc, il y a beaucoup ce format-là et c'est un format qui est très accessible. Vous l'avez payé combien, par exemple? Très peu cher, parce qu'en plus, on s'est retrouvé. On s'est retrouvé à la bonne saison, parce que ça a été. Négociation. Ouais. Explique ton choix du pourquoi Christchurch. J'ai voulu arriver à Christchurch pour acheter une voiture et finir à Auckland pour pouvoir la vendre plus facilement. Parce qu'à Christchurch, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de... c'est moins dynamique qu'à Auckland. Ouais, c'est vrai. C'est une stratégie qui est très intéressante d'acheter un véhicule à Christchurch. Et de toute façon, à Auckland, il part forcément le véhicule. Hein. On va dire que je dirais 3 backpackers sur 4, en gros, arrivent dans la ville d'Auckland parce que c'est plus facile, il y a plus de travail au départ, il y a plus de logements. L'arrivée à Christchurch est peut-être un peu plus atypique, mais même s'il y en a plein qui arrivent, c'est moins courant. Donc, c'était un bon choix. Surtout qu'après, le véhicule, forcément, quand tu traverses l'île du Sud, si tu veux à un moment donné, tu ne peux pas revenir sur tes pas. Donc, le véhicule, vous faites un trajet et c'est beaucoup plus simple. Donc, vous arrivez à Christchurch, vous avez fait du LPX au départ? De famille, oui. D'accord. Une semaine et une autre famille 2 semaines. Ouais. Avec une coupure de 2-3 jours pour aller à Kekura.
D'accord. Donc, et très bien, donc vous avez fait du LPX, vous avez visité. Alors, globalement, on ne va pas forcément épiloguer sur les expériences en LPX, mais j'aimerais, ça va être intéressant, de pouvoir comparer l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui est derrière moi, derrière cette magnifique carte qui est dans ce salon. Alors, concrètement, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, pour moi, c'est deux pays extrêmement différents, dont l'attente doit être totalement différente. On me pose souvent la question, d'ailleurs, des fois j'influence les gens sur leur destination, mais en même temps, ce n'est pas du tout la même attente. L'Australie est un pays désertique dont la faune est extrêmement riche, extrêmement endémique. En Nouvelle-Zélande, en termes de faune, je dirais que c'est très maigre. Les oiseaux, d'ailleurs, ont tellement de prédateurs qu'ils ne savent quasiment plus voler, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc, la Nouvelle-Zélande, ça va plutôt être ce côté nature, ce côté montagne, ce côté vraiment trek. Australie, ça va être vraiment ce côté road trip à l'extrême, ce côté climat, ce côté plage paradisiaque. Donc, voilà, choisissez vraiment votre camp, mais sachez que ce n'est pas du tout la même attente. Alors, pourquoi ? Alors, l'Australie, Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que vous avez préféré ? Je serais incapable de choisir l'un des deux parce que c'est vrai que les deux sont tellement différents que d'un côté on a eu des expériences avec des animaux incroyables en Australie mais en Nouvelle-Zélande on a eu cet isolement total paumé au milieu de nulle part. D'accord, donc c'est vrai que forcément on aime un pays en fonction de ses expériences, de ses rencontres. Aussi de ces galères. Hein. Par exemple, si on a que des galères dans un pays, on a des fois à se dire « Ah ben finalement, ce pays, je n'ai pas aimé parce que je suis tombé en panne 4 fois de véhicule. » Donc forcément, tu vois, il y a aussi ça qui rentre en ligne de mire. Mais globalement, si vous êtes un amoureux de la nature, je dirais Nouvelle-Zélande. Parce que l'Australie, oui, c'est la nature, mais c'est aussi 90% de désert. Alors que la Nouvelle-Zélande, bah, c'est quand même très nature, surtout au sud. Ce côté vraiment carte postale, les glaciers, les lacs paradisiaques. Alors, oui, il y a des lacs en Australie, oui, il y a des parcs nationaux, mais voilà, c'est plutôt de la terre rouge. Mais pour les animaux, je pense que l'Australie l'emporte. Là-dessus, il n'y a pas du tout de questions à se poser. On ne se pose même pas de questions. Enfin, voilà. Par contre, au niveau dans la mer, par contre, pour moi, ça se joue. C'est aussi riche l'un des deux. On peut autant les baleines, les requins, les trucs. C'est aussi riche les deux. Hein. Les dauphins, par exemple, la Bay of Island. Enfin, concrètement, les deux se valent en termes de faune maritime. Mais voilà, après, les deux pays sont chers globalement. L'Australie, l'inconvénient de l'Australie, ce sont les distances. Tu vois, quand on voit sur la carte la taille de l'Australie, ça fait qu'elle soit à la France, bah, il faut du temps. Tu dois partir 3 semaines en vacances en Australie, il y aura forcément des conséquences quelque part. Vous allez vraiment voir qu'une petite pierre, enfin une petite goutte d'eau. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, en 3 semaines, on a le temps de voir des choses. Tu vois, les distances ne sont pas énormes. Ça fait un peu comme la Tasmanie, c'est très accessible. Au niveau du coût de la vie, si vous avez à comparer les deux. Les deux sont chers, les deux sont moins. Il y en a un qui est moins cher. On a trouvé la Nouvelle-Zélande plus chère en termes de coût. Après, sur un même road trip, donc niveau nourriture, c'est surtout que nourriture, on a trouvé c'est un peu plus cher la Nouvelle-Zélande, il me semble. Après, bon, globalement, les deux pays restent très très chers en ce qui concerne la viande. La viande, c'est vraiment. Au final, on se retrouve un peu sur un régime végétarien si on veut faire des économies. Ouais, c'est vrai. Des noodles, comme on dit, les noodles. Oui. Ah bah c'est pas cher. Hein. Allez. Ah, les noodles, tu deviens expert noodles. Hein. Tu sais les faire sauter à la poêle, casserole. Hein. Tu les manges crus, hein. Ça m'est déjà arrivé aussi. Bon, c'est peut-être un peu. Oui, nous aussi. Ça arrive aussi. C'est bon aussi avec les sauces. Quand on se retrouve en Nouvelle-Zélande et qu'on n'a pas tu t'adaptes, toi. 27 contains et qu'on se retrouve à devoir ouvrir le coffre pour. Parce qu'il y a trop de vent. Parce qu'il y a trop de vent, etc. On ouvre le coffre pour préparer à manger dans le coin. Ah, c'est l'aventure, c'est sûr. Et donc, voilà, les deux sont différents. Par exemple, si la personne aime la nature, ce serait plutôt Nouvelle-Zélande, vous confirmez quand même. Oui et non. Parce que, c'est-à-dire, moi, j'ai adoré l'Australie parce que j'aime la nature, mais surtout les animaux. Donc, en fait, j'ai eu des expériences. On va dire que la nature, elle est très présente aussi en Nouvelle-Zélande, même sûrement plus. Oui. Mais le souci, je trouve, c'est que on doit plus payer pour avoir accès à cette nature en Nouvelle-Zélande qu'en Australie. Tout est payant.
C'est cher. Voilà, par exemple, on voit même par exemple quelqu'un qui veut faire des Great Walks aujourd'hui en Nouvelle-Zélande doit payer très très cher. Et on a eu énormément de mal avec. On trouve qu'il y a, que ce soit en ville ou enfin, un peu partout en Nouvelle-Zélande, ils font une différence entre les résidents néo-zélandais et les étrangers. Par exemple, quand on voit pour pour Waitangi, pour le traité de Waitangi, là où était donc signé le traité pour la Nouvelle-Zélande. C'est 25 dollars pour un résident néo-zélandais. Il a juste à montrer sa carte d'identité, comme quoi il vit en Nouvelle-Zélande. Et donc, il paye 25 dollars pour un étranger. Donc, comme nous, c'est 50 dollars. Ah ouais. En fait, je pense que ce que tu dis, Léna, ça me semble totalement la réalité. C'est-à-dire que, personnellement, de ce que je pense aujourd'hui à Nouvelle-Zélande, c'est qu'ils ont été victimes de leur succès, notamment par rapport à la Coupe du Monde qui les a boostés au niveau de leur vente. Donc, la Coupe du Monde qui avait eu lieu, je crois, en 2011, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça doit être 2011. Il y a eu aussi le Seigneur des Anneaux qui a aussi a eu un énorme impact. J'ai vu la différence entre mon premier passage et mon deuxième passage. Lors de mon premier passage en 2013, il y avait énormément de free camp gratuits, pas de free camp payants. Donc il y avait énormément de free camp. Il y avait beaucoup moins de. Le marché du van était peut-être un peu moins important. Il y avait moins de backpackers. Donc maintenant, le PVT de Nouvelle-Zélande, c'est quand même bien développé. Il y a aussi. Bah, ça s'est développé au niveau du tourisme. Il y a beaucoup d'Asiatiques qui viennent. Donc moi, personnellement, en 2007, la Nouvelle-Zélande m'a déçu par rapport à la surpopulation du tourisme et surtout au prix exorbitant bah, des Great Walk. D'ailleurs, j'en ai jamais fait de Great Walk. C'est devenu vraiment sur certaines Great Walk, c'est devenu du n'importe quoi. Quand on voit par exemple un pays comme la Calédonie, qui est un pays, enfin qui est un territoire d'outre-mer, alors je veux pas en tout cas fabuleux, dont les Great Walk sont gratuits, dont tout est gratuit, il n'y a jamais personne. Tu dis, mais il n'y a que 1 500 km à vol d'oiseau, et qu'il y en a un qui est extrêmement touristique et l'autre qui n'est pas du tout touristique. Et quand tu vois l'Australie qui est peut-être un peu entre les deux, mais je trouve qu'il reste encore très raisonnable sur pas mal de choses, je trouve que c'est devenu vraiment abusé. Sachant qu'en plus, c'est un petit pays, donc tout est plus ou moins. Enfin, c'est très compliqué de vivre pas très cher en Nouvelle-Zélande. L'essence est quand même plus chère qu'en Australie. La nourriture est très chère. Je me souviens de mon plein il y a un an et demi de 300 dollars quand je suis arrivé à Woolies, à Woolworth. Je crois que c'était Woolworth, je suis pas sûr. Non, c'était pas Woolworth, c'était enfin c'est le Countdown, c'est pareil, ouais, c'est pareil. Donc Oui. voilà, l'essence est quand même très chère, elle est plus chère que dans le désert en Australie. Ouais, je trouve que c'est abusé, même les trucs touristiques. Milford Sound, c'est bien, juste la session du matin. Après, tout est bondé au niveau des bateaux. En fait, vu que c'est un petit pays, il y a Queenstown, t'étouffes concrètement. Donc, même si voilà, l'Océanie, c'est ma passion, je ne vais pas vous mentir en disant que la Nouvelle-Zélande, on est en paradis par rapport à ça. Ça, c'est un vrai problème. Et j'en parlerai un jour quand j'aurai vraiment suffisamment de matière au niveau plan drone, etc., pour faire mon avis sur la Nouvelle-Zélande. On n'est pas dans le monde des bisounours. Dans l'Australie, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus la liberté, parce que c'est, y a plus d'espace. Ça fait 30 fois la Nouvelle-Zélande. Voilà, il n'y a pas ce côté encore trop abusé du tourisme, donc un peu abusé par rapport à ça, et c'est bien qu'on en parle. Et après, tant mieux s'il y a des gens qui dislike, chacun a le droit à avoir son état d'esprit, vous n'hésitez pas à réagir dans la vidéo, mais en tout cas, je préfère mettre les choses au clair, et c'est bien qu'on en parle parce que des fois, les gens, je suis surpris, ah ouais, Damien, mais c'est bizarre, Nouvelle-Zélande, t'as pas l'air de le vendre, c'est très beau, mais en même temps, les paysages, tu peux les retrouver en Europe, et c'est devenu trop cher, donc oui, c'est devenu un peu abusé, donc c'est bien d'en parler, c'est important. Donc voilà. Donc vous avez réussi à revendre votre véhicule à Auckland après? Oui, ça a été même plus facile parce qu'au final, les deux fois, on a vendu à des Françaises. Et donc, en fait, la personne qu'on a trouvée, en fait, on avait posté l'annonce peut-être une semaine avant d'arriver sur Auckland et la personne attendait déjà la voiture avant qu'on arrive. Elle a vu la voiture et directement, elle voulait la prendre. D'accord. Alors, Donc, question, vous l'avez mis sur quel site? En Nouvelle-Zélande, on l'a uniquement mis sur le marketplace de Facebook. D'accord, oui, alors le marketplace, c'est une fonctionnalité que d'ailleurs que j'ai découvert en France hein, récemment. C'est un outil qui permet en fait de mettre des choses à vendre. Hein. Donc c'est un peu le bon coin, c'est un peu le bon coin de Facebook et c'est en train de se développer. Ils sont en train de faire développer un super produit. Vous avez aussi d'autres sites internet, hein, je pense à Trade.me en Nouvelle-Zélande, je pense que c'est encore d'actualité, qui est très utilisé. Alors Gumtree Nouvelle-Zélande, il n'existe plus, hein, c'est bien d'en parler. Donc, par rapport à ça, hein, parce que souvent on utilise Gumtree en Australie, mais Gumtree en Nouvelle-Zélande, ah, ça n'existe pas. Bon, très bien. Donc, c'est d'autres choses. Mais en tout cas, il y a les groupes Facebook, ça se vend très facilement. Je dirais que 2 semaines avant de partir, mettez le véhicule en vente. Alors, juste pour vendre votre véhicule, vérifiez bien plusieurs points.
si le, il y a le, enfin, avant d'acheter un véhicule ou de vendre un véhicule, ça dépend vraiment comment on se place. Mais en tout cas, si vous achetez un véhicule, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. C'est-à-dire le WOUF, hein, c'est le contrôle technique, à vérifier la date, la durée de validité du contrôle technique, parce que tous les 6 mois, c'est obligatoire hein, de refaire son WOUF. Vous avez dû le refaire, le WOUF ? Non, le WOUF, on l'a pas refait. On a demandé à le faire pour la vente, pour que nous, on puisse acheter la voiture. D'accord. Pour être tranquille pour la vente. D'accord, très bien. Par rapport à ça, très bien. Donc, il y a le WOUF et après, bah, tu as la REGO, en fait. Donc, c'est une taxe donc, à payer sur Internet. Enfin, vous l'avez fait sur Internet, la REGO, non ? Vous êtes allé à la poste ? Non, on a été... c'était VTNZ. Oui, c'est ça, VTNZ. Pour la nouvelle zone, oui. Voilà, parce que et alors là, on va mettre le gros avantage à la REGO donc pour la Nouvelle-Zélande comparativement à l'Australie. Sur une REGO Western Australia, sur à peu près le même type de véhicule, on avait payé à peu près un peu plus de 300 dollars. On avait pour 6 mois 3 mois. 3 mois, on avait payé. Non, on avait payé 3 mois à peu près 300 dollars. Et entre 200 et 300, je ne sais plus exactement, je ne veux pas dire de bêtises. Ah ouais. Et ouais, il me semble, elle était 2006 la voiture, on avait dû payer. C'est vu que c'est en fonction de la puissance et de oui, non, c'est en fonction de la puissance, je dirais 300 dollars, ce serait plutôt pour du 6 mois. Parce que 600 dollars à l'année maximum sur la Western Australia, à moins d'avoir vraiment un tank. Hein. Bah, il me semble que c'était. Pourtant, il me semble que c'est à cause du prix. À cause du prix de la voiture. Ah, d'accord, en fonction du prix de la voiture. On l'a payé 4000. Mmh. D'accord. Voilà. Mais oui. Si je réfléchis, c'est 200-250. Oui. Et par contre, on a payé 30 dollars pour 3 mois. C'est ça. D'accord. Donc, avantage de Nouvelle-Zélande par rapport à la REGO. Totalement. Donc, c'est vrai que le vrai problème en Australie, cette histoire de REGO qui peut vous revenir très cher. On prend un état comme le New South Wales. Donc, OK, il y a un contrôle technique tous les ans. C'était mon cas pendant 2 ans. Mais derrière, sur un an de REGO, si vous êtes domicilié en plein cœur de Sydney, on arrive sur des tarifs de 1500 dollars. Et 1500 dollars, c'est quoi ? C'est une taxe que tu dois payer à l'année qui te permet, on va dire comme l'avantage, d'être protégé corporellement au tiers. Le WOF, c'est juste le contrôle sécurité. Ah oui, d'accord. Oui. Non. Bien sûr, on va la refaire. Donc, l'Australie plus chère, Nouvelle-Zélande moins chère. Après, la REGO est très chère en Australie parce que forcément, il y a cette partie corporelle au tiers. En Nouvelle-Zélande, tu as le WOF, contrôle technique tous les 6 mois. Et après, tu as la fameuse taxe. Elle vous protège aussi corporellement au tiers en cas d'accident ? Il me semble que c'est la même chose, mais après nous on a fait un choix. Après bon, c'est faut nuancer le au tiers, c'est pas le tiers que l'on connaît, ouais. Parce que le tiers en France va nous protéger, donc que ce soit, enfin va protéger la personne. Par exemple, si on a un accident avec voiture, ça va protéger la personne que l'on a pu accidenter et sa voiture, par exemple. Alors que si ça nous arrive en Australie, en Nouvelle-Zélande et qu'on n'a pas d'assurance à côté, on va être uniquement assuré donc vis-à-vis de la personne. Donc enfin, si on fait un dégât sur sa voiture, par exemple, on tape une une Holden dernier cri. Le problème, c'est que on va payer très très cher parce qu'on n'est pas assuré. Donc c'est aussi ça. On entend énormément de personnes qui ne prennent jamais d'assurance. Nous, on avait le choix, même si on avait des voitures pas forcément les plus récentes. Bon, pour des backpackers, c'était pas mauvais. On a toujours assuré touriste. Oui, d'accord. Donc en Australie, en fait, il faut savoir, voilà, votre REGO vous permet d'être protégé corporellement au tiers en cas d'accident. Oui. Votre assurance pour vous, c'est votre assurance santé que vous avez souscrit avant de partir. Voilà. Donc ça c'est très important. Et après, bon bah souvent on part sur des formules au tiers. Alors en Australie, je sais que l'assurance n'est pas obligatoire. Je ne sais pas si en Nouvelle-Zélande elle est obligatoire ou pas. Ça, c'est... Elle est obligatoire en Nouvelle-Zélande. D'accord. Nouvelle-Zélande, elle est obligatoire. Donc ça c'est bon de le souligner. Et après, bah, on part souvent sur des formules au tiers. C'était mon cas. Voilà, je paye 50 dollars. Vous êtes parti en touriste alors en Nouvelle-Zélande et en Australie ? Oui. Les deux fois, on était en touriste pour le véhicule parce que on l'a conservé en Nouvelle-Zélande. En Australie, c'était surtout. Tout simplement parce qu'on a fait énormément de kilomètres. Dès le début, on nous a dit attention aux kangourous. C'est vrai que c'est un énorme danger. Et donc, on a préféré se dire qu'on préférait recouvrer notre argent. On avait la Nouvelle-Zélande à assurer après. Donc, ça reste une certaine somme et on voulait recouvrir l'argent. Ça a coûté combien à peu près ? Ça a coûté combien par mois à peu près ? On était. Il y avait la roadside assistance. Il y avait la roadside assistance. Pour l'Australie. Oui. Donc, je payais. Ouais, ça, oui.
Je payais combien? Parce que c'était moi qui la payais. C'était 30. Pardon? Je devais payer 40 $ pour l'assurance par mois. Ah oui? En touriste, ouais, à peu près. Donc Léna payait à peu près 40 $ par mois en touriste. Donc ça semble pas cher du tout. C'était quelle banque ou quel assureur? L'assurance, c'était. Alors, c'est quoi le nom? Je pense que j'ai AA, mais. AA, c'est RAC. Ah oui. RAC. À la RAC. Ce qu'on peut appeler la RAC. Donc, c'est en fait. Et je pense que c'est le mieux à prendre parce qu'en fait, pour chaque. C'est la meilleure en roadside assistance. Et C'est des locaux qui nous ont conseillé cette assurance. C'était celle qu'ils prenaient. Et donc, en fait, c'est la RAC pour le Western Australia. Ça passe en RAA. Ah oui, oui, d'accord. J'ai compris. Oui, oui. Oui, d'accord. Oui, oui. En fait, c'est la road assistance. Par exemple, RACV, RACQ, NRMA. C'est ça. C'est la road assistance. En fait, ça bascule dans chaque état. C'est synchronisé normalement. Oui, c'est ça. C'était mon cas. Si on a un véhicule immatriculé dans le Western Australia, c'est la RAC qu'il faut voir. Et donc, ils font l'assurance aussi. D'accord. Ça, c'est bon à savoir. C'est très bon à savoir. Ouais. Cette road assistance fait aussi office de. Alors, moi, j'avais payé environ de l'ordre de 350 $ à l'année. Donc, c'était pour, si je dis pas de bêtises, ou peut-être pour 2 ans, je ne sais plus. C'était pareil, c'est la NRMA. Et en fait, il y a une dépanneuse qui peut venir dans l'heure. Il y a un minimum de dépannage technique au bord des villes. C'est important de le signaler parce que quand on est loin de l'outback, en plein milieu de la ville, par exemple de Tennant Creek, bon, peut-être à Tennant Creek ça peut peut-être marcher, mais si on est nulle part, ça ne marche pas. Ça, c'est important de le signaler. Donc, il faut se faire tracter avec une chaîne, c'est mieux. Vous demandez à des locaux avec des camions, enfin voilà. Et en tête, vous faites tracter, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Quoi. Sinon, la dépanneuse, vous allez vous faire massacrer, vraiment. Ça, c'est important de le signaler. Donc, en tout cas, merci pour ces conseils. Est-ce que vous avez des derniers conseils à rajouter pour les backpackers qui partent en PVT Océanie, que ce soit en termes de préparatifs, de sur place, des petites arnaques à savoir? Vraiment, t'en as une, toi? Ouais. Faire attention aux mécanos. Ouais, si faire attention aux mécaniciens. Essayez de se renseigner si vous êtes propriétaire d'une voiture, c'est essayer de se renseigner un minimum donc sur les termes, etc. Et ça coûte rien, mais bon, c'est d'apprendre un peu comment ça fonctionne mécaniquement pour éviter un peu les entourloupes quand on a un problème. Et puis aussi, il y a énormément de backpackers qui sont peu scrupuleux à la vente. Voilà, donc. Savoir poser les bonnes questions, prendre son temps, pas prendre la première voiture. Et puis, oui, voilà, aller voir plus des locaux, quitte à aller voir même un dealer. C'est ce qu'on avait fait, plutôt que d'aller, donc un professionnel, plutôt que d'aller acheter un backpacker donc, qui a une voiture qu'il a très peu entretenue. Et en plus, voilà, souvent, ça fait un moment qu'ils sont en Australie, ils connaissent un petit peu les embrouilles. Donc voilà, ne pas forcément faire confiance parce que la personne est française. Et puis sinon, je dirais plutôt conseil pour les gens qui viennent en couple. Voilà, faut pas le voir comme quelque chose qui va vous aider. Faut être vraiment déjà, je pense, assez solide à la base. Ça va vous mettre à rude épreuve, surtout si vous partez en road trip comme nous on a pu le faire. On s'est retrouvé un mois entier tout seul à conduire pendant parfois 9 heures, seulement à deux, c'est long. On a beau bien se connaître, ça révèle parfois certaines choses. Et puis voilà, donc c'est ne pas hésiter. Voilà, le LPEX, ça nous a beaucoup aidé parce que ça nous a permis de faire des pauses. Quand on est vraiment tout le temps à deux dans une voiture, quand on était vraiment soulagé d'arriver en famille pour avoir d'autres personnes à qui parler. Ah ouais. C'est vrai que le LPX, ça permet des fois de se recentrer sur son sujet, d'avoir un minimum de confort, parce que c'est vrai que quand on vit en break ou en van, alors il n'y a pas la douche ou le jacuzzi ou le hammam sauna, hein, c'est faut être réaliste, on revient à l'état un peu plus sauvage, hein, où on a une gazinière, bon voilà, on va couper du bois pour faire des fois des barbecues, l'eau, il fait toujours un peu compliqué, les courants, d'ailleurs je vous conseille si vous achetez un véhicule d'investir dans un vrai setup avec double batterie avec le cerveau qui fasse la régule entre les deux batteries, le panneau solaire, éventuellement le frigo, si vous avez alors bien sûr un van, parce qu'un break ça va être compliqué, mais en tout cas partir sur ce système-là qui va être onéreux, vous comptez à peu près 1 500 $ pour ce système, mais au moins derrière, vous êtes en autonomie, vous avez l'autonomie en courant, et franchement, c'est pas du tout du luxe quand vous avez des appareils électroniques, que ce soit votre téléphone, vous avez des vidéos, etc., vous rechargez vos appareils, votre ordinateur, vous êtes content de voir un film avant de vous coucher, des fois on n'a pas toujours de courant. Et ça, c'est vraiment
pas du tout du luxe. Vraiment, c'est un bon investissement, surtout lors de la revente, ça va prendre de la valeur. Juste si vous achetez un van ou un 4x4, hein, vous achetez le petit power inverter, je vous mettrai dans la vidéo, et ça, c'est un appareil qui permet de se brancher en allume-cigare et qui vous allez avoir voilà, plusieurs dizaines de watts ou centaines de watts selon le produit, enfin, le prix du produit, qui vous permet de recharger vos appareils en roulant, ordi, tout ce qui est appareil photo, enfin, si vous faites de la vidéo, j'en sais rien. Enfin, ça, c'est vraiment très important. Parce que c'est vrai que des fois, on déprime un petit peu. Surtout quand en Australie, en Nouvelle-Zélande, il fait nuit tôt. Ça, c'est important de signaler. Donc, souvent, bah, on se retrouve à 5 heures du soir dans la nuit. Ah, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Donc, bon, on fait le barbecue, etc. Ça passe vite, mais bon, vers 19 heures, il faut bien s'occuper. Donc, c'est important aussi d'avoir un peu de courant. Enfin, après, bon, chacun son passe-temps. Et après, bah, faites bien attention au véhicule. Parce que c'est sûr que d'investir dès le départ dans un véhicule qui vous lâche une semaine après, c'est compliqué de commencer une aventure comme ça. Vous partez avec vraiment trop de retard. Donc faites les bons choix, ne vous précipitez pas pour acheter un véhicule, faites des contrôles techniques, et à partir de là, voilà, c'est l'aventure. Et après, malheureusement, ça, c'est aussi les aléas de la vie, hein. Sinon, il ne faut pas quitter sa zone de confort, hein. Comme a dit Léna, c'est un package. On part sur 7 mois, sur 1 an, sur 2 ans, et surtout en couple, c'est un combat. Ok, vous vivez en appartement en France, mais là, vous allez vivre dans 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, 4 mètres carrés pour ceux qui ont investi dans un grand van. Donc, et forcément, bah, c'est du 24-24, 7 sur 7 avec la personne. Il y a des moments de tension, tu as des moments de complications, tu as des galères qui pourront arriver, donc des pannes mécaniques. Où je dors, comment je mange, il n'y a plus d'eau, comment je fais, j'ai plus d'essence. Enfin, on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas en tout inclus au Baléares, là. On est en Australie, en aventure, en Nouvelle-Zélande. Donc, il faut jouer. Il y a toutes ces aléas qui sont à gérer, surtout quand tu es en couple. Ça peut créer aussi des tensions. Et c'est un vrai test. Et après, si le couple arrive à passer à travers cette expérience, on va dire, sans mettre trop de pression, Aurélien, c'est que c'est la bonne. Bon, j'en ai un peu rajouté, on va peut-être pas s'enflammer, mais en tout cas, voilà, c'est un indice, en tout cas, qui, enfin, non, mais voilà, c'est une belle expérience, en tout cas, en couple. En tout cas, c'est une expérience partagée. J'ai voyagé récemment en Calédonie tout seul pendant quasiment 6 mois. C'est une autre expérience, une autre approche du voyage. C'est deux approches totalement intéressantes, et je pense que j'invite tout backpacker à faire du couple et voyager seul. Je pense que moi, j'aime les deux, c'est à dire que voilà, je préfère aussi être avoir ma liberté par moment, voyageant par d'autres. Enfin, c'est vraiment deux expériences. En tout cas, vivez là tant que vous êtes jeune, hein, et profitez-en. Voilà, profitez-en tant que vous avez le temps. En tout cas, bon courage pour vos études, pour avoir repris vos études. Merci beaucoup. Tu auras la rentrée des classes, c'est bientôt, donc il faut profiter. Hein. Il y a un peu de temps. Et donc voilà, en tout cas, merci à vous et à bientôt.